Que faites-vous ici? Je participe à la fête de la fraternité parce que je suis citoyen français. C'est le troisième élément de la devise de la République. Il faudrait le revivifier, il faudrait lui donner corps, âme, esprit. Donc les philosophes et les religions parlent de fraternité. Il est bon de nous y mettre tous, de quelque conviction que nous soyons. D'accord, vous faites bien de préciser parce que je vais peut-être me faire l'avocat du diable sur la fraternité, mais moi, la fraternité, ça me fait aussi penser à un certain Caïn et Abel, qui étaient de braves frères, mais ils n'étaient pas très sympas. Enfin, l'un n'a pas été très sympa avec l'autre. Et la fraternité, ça me fait aussi penser aux pirates, figurez-vous, qui s'appelaient eux-mêmes la fraternité. Et j'en passe sûrement dans l'ensemble de l'histoire. Mais je plaisante un peu. Mais vous voyez qu'il faut quand même préciser un petit peu les choses avec la fraternité. Et je crois que le héros de ce soir, c'est pas vous ni moi. C'est un monsieur qui s'appelait Jalal al-Din Rumi. Jalal al-Din Rumi. Voilà. Oui. Qui était un poète, un homme politique. Enfin, qui était... Non, politique, non. Il était poète et mystique, oui. Oui, il a des écrits. Il a des écrits, il a un recueil de quelques milliers de vers où il chante son amour de Dieu et de l'humanité. Mais il y a aussi le prêtre orthodoxe. Oui, qui est là ce soir. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir l'interviewer lui aussi. Oui. Et donc là, vous m'avez dit médiateur. Modérateur, on appelle ça comme ça à Bergerac. Oui. Je viens de Paris pour intervenir demain, mais aussi pour être le lien entre les deux intervenants et la salle. Et vous êtes un spécialiste de Rumi? Non, j'ai fait littérature française. J'ai étudié le phénomène religieux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le partage entre les différentes visions du monde. C'est-à-dire les agnostiques d'un côté, les croyants de l'autre, et le fait de pouvoir philosophiquement et spirituellement partager sans se convertir les uns aux autres. Je crois que c'est un pari possible, mais il faut y mettre de la volonté, et c'est comme ça qu'on sauvera la fraternité. Ce ne sera pas un mot creux. Espérons-le. Il n'y a pas de mots creux d'ailleurs, tous les mots sont pleins de tas de trucs. Et Rumi vous semble un bon exemple de cet espoir que vous venez de nous dire, un poète du XIIIe siècle. Oui. On a fêté les 800 ans de sa naissance il n'y a pas très longtemps. C'est bienvenu à votre avis. Rumi, pour son siècle, quand il est décédé et qu'on a organisé ses funérailles, dans la Turquie actuelle. Oui, il est né en Afghanistan actuel et il est mort en Turquie actuelle. Voilà, tous les habitants de la ville, de quelque religion qu'ils soient, sont sortis dans ces funérailles. Juifs, chrétiens, musulmans, et il y avait d'autres religions aussi dans la région. Donc c'est dire son accès à l'universel, tout musulman qu'il soit, il a réussi d'aller vers l'universel avec son islam. Est-ce qu'on peut donner un trait ou deux de cette capacité de faire lien comme ça, universel, dans son œuvre? C'est-à-dire, d'après ma lecture de Rumi, qui se nourrissait dans le Coran, comme tous les soufis, Dieu s'appelle le Seigneur des mondes, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, et des humains. Alors, quand le musulman, c'est-à-dire le musulman, c'est celui qui s'en remet à Dieu. La traduction de l'islam, c'est que votre volonté soit faite, Jésus l'a dit. Et il est dans cette attitude, dans cet état, dans cette relation avec Dieu. Eh bien, il est en relation avec l'humanité entière. Et son appartenance à une religion en particulier ne l'empêche pas. Bien au contraire, elle l'encourage à fraterniser avec tous les humains. Et cette tradition du soufisme dure encore, je crois. Enfin, absolument, elle est elle fleurit. Elle fleurit parce que, étant donné ce que les sociétés musulmanes souffrent, comme impasse, comme huis clos, comme violence, les musulmans qui veulent approfondir leur islam vont vers les voies soufis. Les voies avec eux à la fin, voilà. Parce que leur rituel, je ne sais pas comment on peut dire ça, et ressemble beaucoup à quelque chose de laïque, en fait, non? Pas tout à fait, mais ils cherchent à approfondir la dimension spirituelle
de la religion. Dans l'accueil, dans l'hospitalité. Voilà, c'est cela, la courtoisie, une esthétique de la conduite, l'adab, le mot arabe. Et du coup, quand on est libre chercheur, on se sent plus à l'aise avec eux qu'avec des docteurs de la loi qui vont vous dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Et ça, ce n'est pas le propre de l'islam seulement, toutes les religions connaissent. Vous partagez vous-même personnellement le soufisme ou comment vous vous situez? Enfin, si je peux vous poser la question. Bon, puisque c'est une question personnelle, je réponds d'une manière personnelle. Je partage tout ce que les sages de l'humanité ont pu dire de vraiment constructif. Vous êtes un philosophe, quoi. Oui, un philosophe, mais aussi, allez, je le dis, j'ai la foi en Dieu. Et je me nourris des mystiques hindous, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans et autres qui ont une relation à Dieu, mais sans religion, mais aussi des philosophes, oui. D'accord. Les auteurs agnostiques. Bon, je ne vais pas vous embêter davantage parce que la salle s'est remplie. Juste un dernier petit truc, un conseil de votre part. Une traduction française du Coran, il y en a une qui vous plaît mieux qu'une autre? Moi, j'ai lu Berck, mais je ne sais pas si ça suffit. Enfin. Jusqu'à nouvel ordre, c'est Denise Masson. C'est la traduction la plus fluide. En lisant l'arabe, vous confirmez, je veux dire. C'est... Tout à fait. Moi, j'ai au moins 10 traductions faites par des musulmans, des arabophones, des non-arabophones, des orientalistes. Je crois que celle qui est la plus fluide. Mais le problème des traductions, c'est que le mot a une étymologie, différentes connotations, et on ne peut choisir qu'une seule. Merci beaucoup, ben, j'espère que vous allez être un bon traducteur ce soir. Merci. De bons échanges, ça donnera du courage à nos intervenants que vous allez découvrir à travers leurs paroles. C'est-à-dire, je ne vais pas tout dire qui est chez vous, ni qui est le père. Et donc, ce sera une manière de les engager personnellement à dire d'une certaine manière pourquoi chacun, chacune porte ce message. Ils le reconnaissent, ils portent un message pour nous ce soir, dans cette fête de la fraternité. Alors nous allons donner la parole en premier, courtoisie oblige, à Cheikh Anour. Donc il y a 40 minutes ou 45 parce qu'il y a la traduction. Elle va parler pendant 30 minutes et moi je vais lui poser des questions introductives pendant 10 minutes. Ensuite, c'est le père. Il va intervenir d'une manière équitable aussi, et ensuite, ils sont à vous. Ça va comme ça? Très bien, alors on signe le contrat. Alors, cher Anour, pour commencer, je vais vous demander. Qu'est-ce que ça veut dire votre prénom? Je souhaite d'abord exprimer mes remerciements à M. Khaled. Et je suis ravi d'être à Bergerac avec vous. Çok değerli Pelotenin yüksek şahsında hepinize en samimi saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz. Et à travers la personne même de l'honorable Père Doté, je souhaite exprimer mes remerciements, mes salutations et mon affection à vous tous. Si Khaled ismimin ne olduğunu sordu, doğru mu? Si Khaled nous demande quelle est la signification de mon nom, qu'est-ce qu'il y a ça? Ici, Hayat Nur Arkram. Mon nom est Hayat Nur Arkram. Hayat, Cenab-ı Allah'ın Hay ismi, yani yaşam kaynağı, bu dünyadaki yaşam, dirilik kaynağı.
le mot Hayat vient pour origine le nom divin Hay, le vivant, celui qui va permettre l'existence et la perpétuation de la vie en ce monde. Nour, il a vivé ici. Nour est une lumière divine. Artıran, bu da bütün bunları artıran, fazlalaştıran. Et artıran, c'est ce qui démultiplie tout cela. Qu'est-ce que c'est une chéra? Chéra. Erkek olunca malum şey. On sait que quand c'est un être masculin, c'est un chiffre. Bayan olunca şehra. Et quand c'est une femme, on parle de chiffre. Chiffre nedir? Et qu'est-ce qu'un chiffre? Mürşid. Un être spirituel. Eğitmen, öğretmen. Un éducateur. La véritable civilisation consiste à vivre ici-bas dans la fraternité, le respect, la paix et la sécurité. La terre est éclairée par le soleil et les cœurs uniquement par l'amour. Est-ce que cette phrase fait partie d'un livre, d'une conférence, ou vous l'avez écrite juste pour la circonstance? Et après, le plus important dans la question, c'est le rôle du cœur dans cette affaire. Voilà, c'est ce qui m'est venu intérieurement pour cette rencontre. Cette phrase, ces phrases, je les ai écrites à l'occasion pour cette rencontre. Et je considère que être civilisé, c'est avoir réussi à vivre en amitié et en fraternité. La question. Il y a Chirano, il y a son maître spirituel Jalal ibn Rumi, il y a l'islam. Je m'arrête un instant ici pour dire que ça me touche beaucoup de retrouver les versets coraniques en arabe, c'est arabophone, qui passent par le turc et après le français. C'est ça l'universel. C'est la même chose pour les évangiles qui passent araméen, au latin, au grec et aux autres langues universelles. C'est la même saveur. C'est la même saveur. Donc il y a Chirano, il y a Maulana Jalaluddin, Rumi, il y a l'islam et le Dieu. On est d'accord. Comment circulent ces certitudes que vous venez de partager avec nous entre Cheikh Anour, Jalal al-Din, l'islam et Dieu le vivant? Ce que l'on voit comme quatre est en fait un. Le fakir. La fakir que je suis. Neylana Jalal al-Din Rumi. Islam. On voit comme s'ils font trois, mais ils sont un. C'est pour cela qu'il y a un bienfait dans la connaissance des uns des autres. Il y a un bienfait à tirer dans la connaissance de l'être humain. C'est pour cela que ce festival de la fraternité, cette rencontre est très beau et je remercie les organisateurs. Essayons de nous comprendre, non dans les apparences, mais dans les profondeurs. Alors, le père Philippe Bocquet, pour ces 40 minutes, on se connaît un peu depuis Paris. Je fais faire semblant de ne pas le connaître, pour être votre voix. Alors, je vais lui demander, d'après ce qu'il dit et d'après ce qui est de lui, qu'est-ce que c'est
un père orthodoxe. Bonsoir tout d'abord. Très heureux d'être avec vous ce soir et avec Chir Anour. Donc merci aussi aux organisateurs et en particulier à Pierre Aouneur qui m'a spécialement invité. Donc un père orthodoxe, un prêtre de l'église orthodoxe. L'église orthodoxe est née à Jérusalem il y a 2000 ans. Il faut rappeler brièvement que pendant 1000 ans, au premier millénaire, il n'y avait qu'une seule église. Donc il n'y avait pas une église occidentale ou une église orientale, il y avait l'église. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans l'orthodoxie? C'est pas dans une perspective, c'est supérieur, c'est inférieur, c'est... Non. Qu'est-ce qu'il y a de... Moi j'ai des amis chrétiens, parfois, qui naviguent entre le catholicisme, le protestantisme et le catholicisme. Ils nous disent pourquoi, je ne vais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans l'orthodoxie? Tout le monde n'est pas pareil, chacun est différent, c'est ce qui vient d'être dit. Alors qu'il s'agit de mettre en premier la fraternité pour vivre une égalité de dignité. C'est l'expérience. Comment notre frère Philippe navigue? C'est beau la navigation. Il y a un océan infini. Comment il navigue entre toutes ces réalités? Je répondrai tout à fait pareil que ce qu'a dit Chir Anour tout à l'heure, c'est un. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de différence, simplement, il y a des degrés différents. Pas faire de Roumanie, c'est parce que je me dois d'être sous la bénédiction d'un évêque, et j'ai une grande chance, c'est le fait que j'ai rencontré un homme qui est devenu évêque en 1998, et que nous avons d'abord lié une amitié profonde ensemble. Et puis, ensuite, c'est moi qui lui ai demandé d'être mon évêque. À la condition que je ne sois pas inféodé à une église particulière, mais que je sois inscrit dans une relation filiale et spirituelle avec quelqu'un qui, pour moi, est la référence spirituelle du XXe siècle, qui s'appelle Saint-Sylvain de Latos. Et Saint-Isaac de Séria disait que la fraternité ne doit pas s'arrêter à l'humanité, mais que la fraternité doit inclure le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. Et que nous sommes en fraternité avec tout le vivant. Et que le vivant est le tissu même, ou là, plutôt la fraternité est le tissu même du vivant. Selon la croyance actuelle, on considère qu'il est plus juste que ce soit un être masculin qui soit guide imam dans une mosquée, et je le suis du même avis. Car je considère que les changements radicaux ne sont pas appropriés. Et donc, on peut dire que cette distinction homme et femme dans la spiritualité est une erreur. Bien, merci beaucoup pour cette réponse.